Mon vrai nom, c'est Kimintang Mahamadou Sissoko. Mon nom d'artiste, c'est Ablaye Sissoko. Je suis griot. Un griot, par exemple, ici en Afrique, ce que nous appelons griot, c'est un art, c'est l'art de raconter. Un griot, c'est monumental. Voilà, donc nous sommes en face de nous donc d'un baobab qu'on appelle le tombeau des griots. Mais c'était un personnage qui ne travaillait pas la terre. Et pour les Safen, celui qui ne travaille pas la terre, à sa mort, il n'a pas le droit de retourner à la terre. Mais lorsqu'il va mourir, on va le mettre dans le creux des baobabs pour ne pas que la terre soit souillée. Dans ce baobab que vous voyez, au moins 100 personnes ont été inhumées à l'intérieur. 100 personnes. 100 griots buried here, but not their stories, not the oral histories they sang of West African kings and kingdoms. Those they passed down, generation to generation, to griots like Ablaye Sissoko. Sissoko lives in the city of St. Louis, on the Atlantic coast of Senegal. Et le conservateur et la mémoire de l'histoire des sociétés africaines. On n'a pas beaucoup de manuels d'histoire. Et sans les griots, beaucoup d'histoires seraient perdues. Ce dont on a le plus besoin en Afrique, en général, c'est de la mémoire du passé. Pour moi, le griot, c'est l'Afrique. Tera soto mandia, ni ngedi arin.